Bonjour à toutes et à tous les arts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Sword Challenge épisode 35. Aujourd'hui nous allons réaliser un défi qui m'a été proposé par le frérot, c'est-à-dire Furious. Nous allons devoir faire un temps entre 2020 et 2035 au total avec les temps qui se situent dans le géant Médis, le dragon et le nécro. Donc il va falloir que je fasse un temps de 2020-2035 au total avec ces trois donjons ensemble. Donc ça va être un temps accumulé, comme vous avez pu le voir il y a quelques années, je crois c'était en 2017, il y avait des tournois ou de SW où il fallait faire ceci, il fallait faire un temps limite avec les trois donjons en même temps. Vous allez le voir de toute façon dans la démonstration si vous n'avez pas compris. Donc je te remercie bien sûr pour ce défi qui est vraiment très très sympa. Honnêtement, c'est pas un défi très très facile parce qu'il faut des très bonnes runes, il faut des bonnes teams, il faut les bâtiments au maximum, il faut les leader skills, il faut tout. Il faut absolument tout, il faut les monstres. C'est un défi qui est pas très simple, je vous conseille d'attendre un petit peu, d'avoir mon niveau on va dire à peu près. Il faut essayer de faire ce genre de temps parce qu'il est pas très simple, si vous faites pas de speed team c'est impossible. Je vais essayer de réaliser ce défi, c'est pas un défi très simple, je vais me débrouiller comme je peux. Je pense que je vais faire en manuel parce qu'en automatique ils font n'importe quoi les monstres. Vous le voyez déjà dans mes lives que les monstres font n'importe quoi. En auto, en manuel au moins je sais jouer hein, comparé à eux. Donc je vais essayer de battre ce record. Je vais essayer de faire moins de 2020 si possible. Enfin on va voir. Donc je vous laisse tout de suite avec la démonstration, c'est parti. Et voilà, la démonstration est terminée. Comme vous avez pu le voir, nous avons réussi ce temps. Ça n'a pas été très simple, honnêtement. Après, il fallait bien une bonne synergie dans l'équipe. Il faut que ce soit speed tune, il faut agir au bon moment. Il faut que les procs violents ne soient pas trop nombreux, histoire que les runs ne se ralentissent pas. Parce que des fois, les luchettes ne cliffent pas les vagues sans buff attaque. Donc, du coup, c'est très très chiant, surtout contre les golems dark au nécro. C'est assez particulier. Vous avez pu le voir peut-être si ça n'a pas bien cleave. Mais c'est pas bien grave. Mais bon, on a réussi quand même. C'est le principal. En termes de score, nous sommes à 31 à 4, affiche-moi le petit score, 31 à 4, voilà, c'est un défi pas très simple, pas très dur non plus par rapport à moi. Après, tout dépend de votre niveau, je vous conseille peut-être d'essayer si vous voulez, si vous avez un certain niveau, pour tenter de faire ce défi qui est vraiment très sympathique et ça vous permettra de tester votre puissance sur votre compte surtout.
avant que je termine cette vidéo, je vais vous dire que j'ai repris la motivation ce soir donc les vidéos vont reprendre comme d'habitude à partir de la semaine prochaine. Pas cette semaine, il me faut encore un petit peu de temps histoire de m'adapter. J'ai repris goût au jeu, honnêtement, j'y joue vraiment tout le temps, c'est un truc de fou, la motivation directe. Ça n'avait pas été un coup de la mage par rapport à cette vidéo, par rapport à la sortie de cette vidéo. Vous en faites pas, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport bien avant. Je pense que j'ai dû me donner des objectifs, ou par exemple j'ai été lassé des jeux auxquels je joue actuellement. Du coup j'ai repris ce Summoner's War d'un coup, donc ne vous en faites pas. Je vais reprendre le rythme, je suis motivé à continuer de refaire des vidéos. Ne vous en faites pas, je reviens. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner pour recevoir le plus nombreux possible, à dire que le cloche retour de la chaîne là. D'aller sur Discord que vous retrouvez bien sûr sur la de ma chaîne YouTube et sur la description de toutes mes vidéos pour des semaines, des reviews, les défis du soir à du mardi bien évidemment, pour me proposer vos défis, pour pouvoir ainsi interagir avec vous. Sachez que ça se fera une semaine sur deux. Mais aussi n'hésitez pas à aller dans le registre FAQ Ask pour me poser vos questions à propos de moi par rapport au jeu, pour une future vidéo, qu'est-ce que d'arriver dans quelques mois, donc allez-y vite. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous et on se retrouve prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.